Lundi 20 février 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur A30 Télévision. Voici d'abord les titres. Le 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a vécu à Addis Abeba. La République démocratique du Congo en sort rassurée du soutien des homologues du président Félix Tshisekedi pour obtenir le retrait des rebelles M23 dans le Nord Kivu. Entre-temps, l'armée promet de tirer les conséquences après les nouvelles attaques enregistrées la nuit du dimanche au lundi 20 février dans le territoire du Massissi par le M23. Les finances publiques se portent bien. Petite phrase du ministre des Finances au cours du briefing co-animé ce lundi avec le porte-parole du gouvernement. Pour l'année 2023, le gouvernement s'attelle à maintenir le cap malgré les défis sécuritaires qui s'imposent. Voilà pour l'essentiel en titre. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous et à chacun. À présent, les détails. Bonsoir. Le 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, marqué par une nouvelle résolution en faveur de la République démocratique du Congo face à la situation sécuritaire à l'Est. Les chefs d'État ont adopté le communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui exige le retrait immédiat des rebelles du M23 des zones occupées. Le président sénégalais et président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, a salué ce communiqué final. La 36e session de l'Assemblée générale de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a été ouverte ce samedi dans un contexte particulier, marqué par les 60e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Union africaine et les 20 ans de l'Union africaine. Dans leurs différentes allocutions d'ouverture, les présidents de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et tous les autres intervenants ont rendu hommage au père fondateur de cette institution panafricaine. Moussa Faki Mahamat a fait part de son profond regret de constater qu'en 60 ans, l'Afrique n'a pas pris son envol. Les continents sont minés par des crises sécuritaires qui empêchent son développement malgré ses nombreuses richesses. À ce sujet, et prenant l'exemple de la République démocratique du Congo, le président sortant Macky Sall a salué la décision prise par les chefs d'État à travers les conseils de paix et sécurité en vue de ramener la paix à l'est de la RDC. En effet, les communiqués finaux de la CPS a enjoint les M23 et tous les autres mouvements terroristes de cesser immédiatement les hostilités et qu'ils se retirent sans condition de l'est de la République démocratique du Congo. Au cours de cette journée inaugurale, le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a été investi à la présidente tournante de l'Union africaine pour cette année. Son bureau est constitué des présidents Masisi Dipotchwana, Évariste Ndayishimiye du Burundi et le poste de premier vice-président attribué à l'Afrique du Nord fait encore l'objet des tractations. Le président sortant Macky Sall, lui, assure le poste de rapporteur. Très actif dans la diplomatie secrète, le président Félix-Antoine Tshisekedi a réussi à faire élire Dr Jean Kaseya à la tête du CDC, le Centre africain des surveillances et des préventions des maladies. Et dans un communiqué publié ce lundi, les forces loyalistes dénoncent les attaques lancées par le M23 la nuit du dimanche, lundi 20 février 2023, sur ces quatre positions malgré les efforts fournis par les chefs d'État à Nairobi, Luanda, Bujumbura et Addis Abeba afin d'obtenir un cessez-le-feu. D'après ce communiqué signé par le porte-parole de la 3e zone de défense des FARDC, ces affrontements créent un mouvement de déplacement massif des populations civiles, entraînant un drame humanitaire. Les FARDC lancent un appel à la communauté internationale et autres organisations sous-régionales de constater ces bavures et d'en tirer toutes les conséquences. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 février 2023, le RDF bar M23 ont lancé des attaques généralisées sur quatre de ses positions à Kiahembe, Buchaluichi, Kiusa et Lubula en territoire de Masisi. Et ce, malgré les efforts fournis par les chefs d'État à Nairobi, Luanda, Bujumbura et plus récemment à Addis Abeba, afin d'obtenir
les cessez-le-feu de la part de ce dernier. Ainsi donc, au regard de ces multiples violations à répétition du cessez-le-feu par le RDF et ses supplétifs d'un 23, le FRDC lance pour la énième fois un appel à la communauté internationale, à l'Union africaine, à la communauté des États d'Afrique de l'Est, ainsi qu'au mécanisme de vérification ad hoc, de constater ces bavures et d'en tirer toutes les conséquences. Et toujours dans le Nord Kivu, on séjourne à Goma. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a pris part en tant qu'acteur politique à une conférence débat tenue à Goma sous le thème « Processus électoral dans un contexte sécuritaire incertain, cas du Nord Kivu et de l'Ituri ». Corneille Nangaa, qui appelle les jeunes à l'espoir, propose cependant un dialogue en vue de trouver des solutions aux problèmes sécuritaires avant la tenue des élections. En clair, il propose un minimum de consensus politique. La République démocratique du Congo peut compter sur la Suisse et les États-Unis pour sa stabilité. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a échangé ce lundi avec les ambassadeurs des USA et de la Suisse sur les questions de priorité mutuelle et d'intérêt commun. Nous avons abordé des questions sur nos priorités mutuelles et nos intérêts communs. Surtout, moi, j'ai signalé que les États-Unis soutiennent une RDC forte, stable, pacifique et attachée aux valeurs démocratiques. Nous savons que la paix ne peut pas réussir si l'intégrité territoriale n'est pas respectée. Mm-hmm. Aussi, nous avons discuté notre programme d'assistance, qui est important, surtout dans les domaines de l'éducation et la santé, mais aussi pour assurer la protection de l'environnement et aider le développement économique pour les Congolais. Une bonne occasion pour faire le point d'abord sur les relations bilatérales, donc de parler de l'engagement de la Suisse ici au pays, mais de parler aussi du fait que la Suisse, en tant que membre du Conseil de sécurité depuis le 1er janvier 2023, est donc souvent aussi en contact avec la RDC, vu que la RDC se trouve souvent sur l'agenda du Conseil de sécurité, et on a pu parler aussi d'une visite du président de la Confédération suisse qui devrait se faire ici en RDC. Donc c'est une bonne occasion aussi pour parler de cette opportunité-là. Le ministre des Finances, convié ce lundi au briefing presse qu'il a co-animé avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, briefing qui a principalement porté sur l'état des finances publiques de l'année 2023. Le gouvernement fait face à plusieurs défis, a noté Nicolas Kazadi, des défis d'ordre sécuritaire principalement, Josué Bambazo et Merveille Kitita pour le reportage. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Au cours du briefing presse, aux côtés de son collègue ministre de la Communication et Médias, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a affirmé que l'année 2022 a été globalement positive sur le plan financier pour la RDC. Selon l'argentier congolais, les résultats obtenus en 2022 sont les fruits du travail continu des régies financières, mais aussi du gouvernement dans son ensemble. S'agissant des finances publiques, 2022 a été une bonne année, parce que nous avons, en termes de recettes, pu enregistrer un accroissement de 24% supérieur aux assignations budgétaires et de 55% supérieur aux réalisations de l'année précédente, c'est-à-dire 2021. Cet accroissement est le fruit du travail continu des services, des régies financières, pour atteindre ces assignations, dépasser ces assignations et obtenir ce résultat. Par ailleurs, Nicolas Kazadi a fait savoir qu'au cours de l'année 2022, son gouvernement a fait face à plusieurs défis sur le plan sécuritaire et social. Il a saisi l'occasion pour placer un mot sur les fluctuations actuelles sur le marché des changes. 2022 a été une année particulièrement difficile. Pourquoi ? Parce que bien que nous ayons eu de bonnes performances en termes de croissance économique et en termes de recettes publiques, nous avons dû faire face à quelques grands défis. Le premier des défis, c'est bien entendu cette situation sécuritaire qui, à elle seule, a consommé près d'un milliard de dollars, plus de 700 millions de dollars exceptionnels, des dépenses exceptionnelles liées au contexte.
parce qu'il faut réarmer notre armée, parce qu'il faut la rééquiper, il faut la refaire, il faut la refonder. Mais il y a eu aussi les subventions pétrolières pour lesquelles on a dépensé près de 500 millions de dollars l'année passée. Et il y a bien entendu les élections pour lesquelles on a également dépensé près de 500 millions de dollars. Voilà quelques grands éléments de dépenses pour l'année passée sur les 9 milliards de recettes propres que nous avons pu réaliser, auxquelles s'ajoutent bien entendu les appuis extérieurs, etc. Ici est de noter que le budget pour l'exercice 2022 s'est élevé de plus de 11 milliards de dollars américains. En 2023, le budget est d'environ 16 milliards de dollars. 2023 est une année électorale et vous le savez, au cours du briefing de ce lundi, l'argentier national a donné des assurances sur des dépenses qui seront effectuées, des dépenses financées par le gouvernement congolais. Il assure que cela sera fait à temps pour permettre aux Congolais et aux Congolaises de voter en décembre prochain. Sur les élections, effectivement, nous avons 100 millions l'année passée, plus de 75% de l'allocation budgétaire de l'année. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a 25% qui n'ont pas été payés, c'est vrai. Mais dans le rythme de dépenses, nous avons constaté que nous étions même en avance. Ce n'est pas un prétexte, parce que nous faisons tout pour que l'argent ne soit pas le problème. Et nous avons simplement constaté que dans les décaissements effectifs, il y a un rythme qui fait que nous étions même en avance sur les décaissements effectifs. Mais ça, c'est un problème que nous réglons avec la CENI. Mais l'objectif, c'est que l'argent ne soit pas un problème. Jusqu'à présent, c'est le cas. Vous voyez que les enrôlements se font comme prévu. Et donc, nous allons continuer notre effort pour assurer que l'argent de la CENI soit toujours prioritairement payé à la CENI et qu'il n'y ait pas de prétexte de ce point de vue-là. Nous le faisons dans un contexte difficile, comme on l'a dit. On a la guerre d'un côté, avec beaucoup d'imprévus. On avait la facture pétrolière. J'espère que cette année, elle ne va plus continuer de s'accumuler. Mais nous avons encore un stock de subventions de l'année passée qui n'est pas encore payé, près de 300 millions de dollars. Bon, bref, nous nous battons pour nous assurer, pour faire face à tous ces fronts en même temps, tout en répondant aux besoins des Congolais. On reste un moment avec le ministre des Finances. Vous le savez, la Linafoot a suspendu le championnat national faute de financement. La question a été posée à l'argentier national. Il justifie cette situation par le manque de modèle approprié sur le financement des clubs qui coûte au trésor public sans gain en retour. On l'écoute. Certain, c'est que nous avons fait un effort important, mais cela pose le problème, la problématique, aussi bien pour ça que pour les autres questions posées, Linafoot et autres. La question du financement du sport, l'économie du sport, aujourd'hui, elle ne fonctionne pas. On n'a pas trouvé un modèle. Alors qu'on vient d'avoir les états généraux du sport, il faudrait qu'on assiste maintenant à des décisions, à des rencontres, à des propositions de réformes précises qui nous montrent un chemin pour dire, bon, là maintenant, la donne va changer. Il y a de bons exemples sur le continent, notamment celui du Bénin, qui est aujourd'hui connu, où ils ont trouvé une façon de lier les grands clubs à des grandes entreprises. Avec quelques allègements, ces entreprises prennent l'engagement de financer ces clubs et la professionnalisation est accélérée. Nous avons ce potentiel également. Il faut qu'on trouve notre modèle. Aujourd'hui, malheureusement, le modèle n'a pas évolué alors que la charge du sport s'est accrue de manière considérable. Et quand on voit tout ce qui est demandé aux pauvres petits trésors, on ne pourra pas aller très loin. Mais on ne voit pas les recettes générées par ce secteur. Même en commençant par celle du stade. Je ne sais pas où elles vont, par où elles passent, je ne sais pas. Mais nous, on doit dépenser. Et puis, c'est très complexe ce problème. C'est très complexe, mais nous avons quelques idées et j'espère qu'on aura l'occasion avec mon collègue de voir comment changer la donne. Dans un tout autre chapitre, la Constitution de la République démocratique du Congo a totalisé 17 ans depuis son entrée en vigueur le 18 février 2006. Et pour marquer cette célébration, une conférence de presse a été organisée le samedi 18 février 2023 à l'Université de Kinshasa par l'Institution pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique. Le 17e anniversaire a été célébré sous le thème Constitution, justice et élection. La conférence célébrant le 17e anniversaire de la Constitution de la RDC a été animée conjointement par les doyens de la Faculté des droits de l'Université de Kinshasa,
le professeur Jean-Louis Essambo, son collègue André Mbata ainsi que le professeur Jack Njoli. En célébrant la Constitution, les organisateurs se sont également lancés dans la vulgarisation des différentes lois qui régissent le pays. La majorité de l'assistance était constituée des étudiants de la Faculté des droits. Promulguée le 18 février 2006 par l'ancien président Joseph Kabila, cette constitution a permis de mettre un terme au cycle des pèlerins constitutionnels que la RDC a expérimenté depuis 1960. Nous avons cheminé tels des pèlerins depuis mai 1960, des pèlerins passant par la loi fondamentale, des pèlerins passant par la constitution du 1er août 1964 dite de Louloubou, transitant par la constitution du 24 juin 1967, ses multiples révisions. La conférence nationale, il a fallu le dialogue de l'accord de Lusaka. C'est l'accord de Lusaka qui prévoyait la tenue d'un dialogue intercongolais. Et ce dialogue intercongolais a eu lieu en 2002 en Afrique du Sud. Il y a eu l'accord de Sand City. Il y a eu un acte constitutionnel de transition et comme des pèlerins constitutionnels, nous avions donc atterri à un moment donné de ce pèlerinage. Nous sommes arrivés au 18 février 2006, le jour où le président de la République, en ce moment-là, Joseph Kabila, promulguait un texte qui avait été adopté par référendum constitutionnel et ce texte-là devenait, à partir du 18 février 2006, la constitution de la République qui nous régit à ce jour. La constitution de la RDC comprend des 126 articles. Ces différentes lois protègent les droits civils et politiques, les droits socio-économiques et culturels. En sa qualité de vice-présidente de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, la Première Dame de la République démocratique du Congo, Denise Onyekoro Tshisekedi, a pris part active à la 27e Organisation Générale de cette structure. Au cours des travaux, les Premières Dames ont passé en revue le rapport d'activité financier de 2022, mais également examiné la mobilisation des recettes pour l'année 2023 dans le cadre de cette organisation. Images et commentaires. Pour sa première grande rencontre de l'année, le nouveau comité directeur de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, dirigé par Mme Monica Nguengos et Mme Denise Nyekiru Tshisekedi, respectivement présidente et vice-présidente, a choisi le siège de l'Union africaine pour entre autres définir sa ligne directrice. Une première assemblée générale ordinaire tenue en marge du 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et qui a vu le Première Dame adopter une feuille de route des actions à entreprendre pendant les deux années à venir. Ces travaux d'Addis Abeba ont examiné plusieurs questions, comme celle du rapport d'activité et d'audit 2022, la question de mobilisation de fonds ou encore celle liée à l'organisation à Kinshasa des 20 ans de l'OBDAD. Un travail présenté par le secrétariat et l'ensemble des conseillers techniques. Cette 27e Assemblée Générale Ordinaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement a permis aux First Ladies de dégager un plan stratégique pour l'année 2023. Un plan qui est en réalité un accélérateur du précédent qui a souffert d'exécution pour raison de la pandémie de la COVID-19. L'engagement des Premières Dames ainsi que la portée des activités programmées en 2023 impose une technique efficace de mobilisation de ressources dans une approche transparente, comme l'a exprimé devant ses pairs Denise Nyekiru Tshisekedi, première dame de la RDC et vice-présidente de l'OBDAD. Cette assemblée générale a offert l'occasion aux premières dames de repenser l'organisation structurelle de l'OBDAD afin de repartir totalement redynamisée à la conquête de nouveaux objectifs. Ouverture ce lundi de la 47e Assemblée Générale de la Fédération des Sociétés d'Assurance des Droits Nationaux Africains. C'est le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui a donné le go des activités. L'argentier congolais a relevé le faible taux des services rendus par les assurances et a rappelé la nécessité de renforcer le niveau de confiance entre les assurances et la population. Palais du peuple,
lieu choisi pour la tenue de la 47e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance de droits africaines. Des représentants de pays africains membres de cette organisation ont fait le déplacement pour Kinshasa pour réfléchir sur le thème « Assurance africaine, comment exploiter au maximum son potentiel pour une prospérité partagée ». C'est le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui a donné les go des activités. L'argentier congolais a rappelé avec regret que le taux des assurances en République démocratique du Congo est jusque-là faible. Que la plupart des produits présentés à travers le continent ne sont ni appropriés ni adaptés aux populations africaines et que l'indemnisation en cas de sinistre ne répond pas souvent aux attentes des sinistrés. Malgré ces multiples problèmes, l'assurance dispose d'un potentiel de développement important sur le continent. Et des avancées certaines sont en cours, y compris dans mon pays, la République démocratique du Congo. Le président de la FANAF est revenu sur les principaux objectifs de ce bal des assureurs du continent africain. Le retour de la FANAF ici en République démocratique du Congo est peut-être un signe annonciateur d'une nouvelle amorce pour une industrie des assurances plus forte, davantage créatrice de richesses et résolument engagée sur la protection des personnes et des biens dans une économie indissociablement prospère et solidaire. Les sociétés d'assurance, de leur côté, rassurent des services rendus à la population congolaise. Nous sommes gestionnaires santé. Nous proposons dans ce sens-là des solutions de couverture médicale aux individus comme aux entreprises. Et qui dit individu, c'est notre apport dans ce marché au Congolais. Avant, le Congolais lambda n'était pas pris en charge. Hein. Il faut dire que les assurances ne le couvraient pas. Les assureurs préféraient couvrir que seules les entreprises en couverture maladie. Apport en réalité, c'est ce que j'appelle le professionnalisme. Parce que l'assurance est un métier assez noble qui permet de protéger la population contre divers aléas qu'ils peuvent subir. Donc, être présent sur ce marché est une opportunité énorme, étant entendu que c'est un marché totalement différent des autres pays africains où on a 6 produits d'assurance qui sont obligatoires. Ce qui fait que cette valeur assurantielle, on peut la divulguer auprès de la population congolaise qui en a besoin. Ouverte ce lundi 20 février, la 47e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine va se clôturer ce 23 février. Une nouvelle électrice pour la ville de Kinshasa. Il s'agit de la ministre provinciale Lisa Nembalemba qui a obtenu sa carte d'électeur dans la commune de Selembao. Elle a saisi l'occasion pour sensibiliser à un enrôlement massif mais aussi à un second mandat pour le président de la République, Félix Tshisekedi. Elle s'est enrôlée le week-end en compagnie de plusieurs membres de sa fondation. Images et commentaires. L'ambiance était au rendez-vous. Tous les quartiers de la commune de Selembao représentés à l'occasion de l'enrôlement d'Elisa Nembalemba, ministre provinciale de la Santé, mais connue également pour ses bonnes actions en faveur de plus démunis. Accompagnée des membres de sa fondation venus de plusieurs coins de la capitale, Lisa Nembalemba a d'abord commencé par sensibiliser à l'importance de l'enrôlement avant de prendre la route avec ses sympathisants pour obtenir sa carte d'électeur. Tout au long de la route, l'engouement était à son comble dans la commune de Selembao avec des milliers de personnes qui ont accompagné ces membres du gouvernement provincial de Kinshasa. Au centre de l'enrôlement, la présidente de la fondation Lisa Nembalemba a rempli toutes les formalités jusqu'à obtenir sa carte d'électeur. Je suis venue pour remplir un devoir civique, je suis venue me faire enrôler et j'ai vraiment apprécié la présence des membres de ma fondation qui sont venus m'accompagner, merci du fond du cœur. Ça va nous permettre de pouvoir faire un choix en temps opportun au moment des élections et ça nous permet en tant que Congolais de remplir un devoir civique et de donner un second mandat au chef de l'État, Fatih Beton. L'événement s'est clôturé dans un climat bon enfant entre Nembalemba Lisa et ses sympathisants. Le président du parti Nouvel Élan, Adolphe Mouzito, poursuit sa tournée dans le Grand Bandundu. Le week-end dernier, l'ancien premier ministre est descendu à Fatundu, dans la province de Kwilu. Sur place, Adolphe Mouzito, accompagné de son épouse, a sensibilisé la population de cette partie du pays sur les réformes foncières. Son épouse Chantal Ngalula Mouzito et sa délégation ont pris 2 jours de route
pour parcourir environ un peu plus de 120 km. Un véritable calvaire qu'ont enduré les cadres de Nouvel Élan. Une situation face à laquelle beaucoup auraient rebroussé chemin. Les jeeps 4x4 de la délégation ont peiné pour rouler, obligeant ainsi les hommes forts du groupe à user de leurs forces. De Kenge à Kolokoso, la délégation a pris 8h30 de route et de Kolokoso à Fatundu, 10h45, soit de 7h15 à 16h45. De Kolokoso à Fatundu, plus de 10 heures, soit de 7h15 à 16h45, justifiant ce sacrifice par le souci de communier avec les Fatundois et recueillir leurs desiderata. À son arrivée, l'initiateur de Nouvel Élan était émerveillé par l'accueil chaleureux lui réservé par la population de Fatundu. Un chipoy a été même apprêté, mais voulant communier avec ses nombreux partisans, le Fumumpa a préféré marcher, ovationné par une foule qui a visiblement du mal à croire à cette visite d'une aussi grande personnalité de premier plan dans cette contrée abandonnée à son triste sort, sans route et sans ressources. Tout Fatundu mobilisé, un monde fou obligeant Adolphe Mozito et son épouse à marcher à pied jusqu'à la salle où ils devaient tenir la conférence. Toute la population de Fatundu avait soif d'écouter son leader appelé affectueusement l'espoir de Fatundu. Dans cette salle remplie comme un œuf par toutes les catégories de la population, jeunes, notables, représentants de la société civile, chefs traditionnels, en véritable fils du coin, Adolphe Mozito a jugé bon de s'exprimer en Kikongo pour inviter les siens à s'approprier la titrisation des terres des communautés locales par les réformes foncières, minières et lacustres comme piste de solution aux conflits terriens qui existent entre communautés et entre communautés et les... 4 ans après, la jeunesse au chapitre de Félix Tshisekedi, c'est le thème de la tribune d'expression populaire organisée ce samedi par un collectif de jeunes de la République démocratique du Congo. Objectif, promouvoir les actions du président de la République en faveur de la jeunesse. Images et commentaires. Plusieurs intervenants ont pris parole à ces assises qui ont réuni des jeunes de tous bords autour des actions du chef de l'État Félix Tshisekedi en faveur de la jeunesse. L'inspecteur de l'IJF a montré à la jeunesse les différentes actions menées par le chef de l'État dans la lutte contre la corruption. L'inspection générale des finances, c'est votre service d'audit et de contrôle placé au niveau du gouvernement, mais qui travaille sous l'autorité directe du chef de l'État et qui a comme mission contrôler toutes les opérations financières de l'État. À son tour, Éric Ndindou, directeur des communications de la présidence de la République, a invité les jeunes à une mobilisation tous azimuts pour défendre le pays en ces temps de guerre. Oui, mais il faut être vigilant. Soyons vigilants parce que nos ennemis ont déjà placé certains de leurs espions dans certaines instances là où nous sommes. Et nous devons être vigilants et nous devons défendre la patrie. Il faut s'unir, ce n'est pas le moment de se diviser. On a besoin de tous les talents pour faire réussir le chef. William Mukambila, représenté comme ambassadeur de la jeunesse, a noté des avancées dans l'intégration des jeunes dans le gouvernement. Au regard de ces 4 ans, mais nous sommes tous convaincus qu'avant ces 4 ans, notre budget national est estimé à 4 milliards. Mais aujourd'hui, sans ignorer les efforts et surtout la volonté politique du chef de l'État de voir le bien-être de peuple congolais être au rendez-vous. Aujourd'hui, notre budget est en train de nager entre 14 et 16 milliards. Moi et vous, établir un bilan qui est un bilan non à 100% réussi, mais qui est estimé au moins à 75% pour ce qui nous concerne être un bilan réussi. Du nombre, le député national Bernard Kayumba a demandé aux jeunes d'intégrer les partis politiques pour combattre aux côtés du chef de l'État lors des élections à venir.
c'est par un débat que cette journée s'est clôturée. On revient sur l'affaire Martin Bakole qui continue de susciter plusieurs réactions dans la classe politique mais aussi dans le monde sportif de la République démocratique du Congo. David Balingui, l'un des analystes sportifs, estime que Bakole devait être traité d'une manière conformément aux réglementations du sport congolais. Il a été interrogé par James Mouchia. Je n'aimerais pas qu'on puisse classer Martin Bakole comme s'il était dans la position de demander de l'aide. Mais Martin Bakole s'est mis dans la position de demander un droit qui lui revient par rapport à ce qui était décidé dans la loi sportive promulguée en 2011 par l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui stipule dans son article numéro 15 et 17 que les sportifs de haut niveau ils doivent bénéficier des conditions particulières pour préparer ces compétitions au niveau international ou bien local, à travers des entraînements, à travers des stages. Donc, Martin Bakole, il n'a fait que réclamer un droit qui lui revient dans notre constitution. Si une personne a condamné là-dessus, il faut condamner les ministres des Sports. Il faut condamner les ministres des Sports parce que cela s'est passé dans les locaux du ministère des Sports. Ça revenait au ministère des Sports de décider que ça va, que cela ne passe pas dans les médias, à la télé, ainsi de suite. Parce que je signalerai qu'il y a des seules fédérations qui font sortir plus d'argent que ce que Martin Bakole a demandé. Mais cela passe ni son ni trompette. La question du décaissement des fonds aux athlètes a été posée également au ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui explique ici la procédure, mais également la procédure d'urgence. Il affirme avoir donné le quitus pour que désormais toutes les transactions se fassent par voie bancaire. Le contrôle avant, il est fait par le contrôleur budgétaire qui est dans chaque ministère, qui relève du ministère du budget. Souvenez-vous de l'épisode où il y a eu un double paiement. C'est que le contrôleur budgétaire qui était chez moi était défaillant, qui a disparu d'ailleurs dans la nature juste après, et qui a laissé passer un paiement qui ne devait pas l'être. Mais l'autre problème, c'est que quand nous avons beaucoup de paiements, énormément de paiements, et c'est ça une des faiblesses de notre système que nous sommes en train de réformer. Lorsque nous payons, il faut que nous ayons nous-mêmes un soupçon et le réflexe de demander à l'IGF ou à tel ou tel autre corps de contrôle d'aller vérifier. Moi, je le fais souvent. Quand je fais des paiements qui me paraissent bizarres, ou parfois même avant de les faire, je demande à l'IGF son avis. Je dis, mais regardez-moi un peu ça, il me donne un avis, et puis je juge en fonction de ça, et je décide. Mais on ne le fait pas systématiquement pour tous les paiements, parce que nous en avons beaucoup, et parfois il y a des choses qui peuvent échapper, mais nous sommes en train de réformer le système, justement, en nous appuyant sur la digitalisation, pour réduire cela. Et lorsqu'on a parlé tout à l'heure, votre confrère a parlé du compte unique du Trésor, ça va avec la grande réforme où nous devons... Vous savez, tout le monde parle de digitalisation. Mais la première de digitalisation en matière financière, c'est d'avoir un compte bancaire plutôt que d'aller au guichet. Parce qu'un compte bancaire, c'est électronique. Et donc, nous voulons que tous les comptables aussi procèdent de la même manière. À ce moment-là, lorsque nous devons payer, si c'était le cas déjà, ce que nous voulons faire, eh bien, nous aurions payé par voie bancaire un comptable, le comptable du ministère des Sports, qui allait devoir faire le transfert ou un chèque ou un transfert à l'acteur. On aurait eu le temps de réagir, on aurait eu le temps de bloquer le paiement, on aurait eu le temps de surveiller. Ce n'est pas encore le cas, mais c'est ce que nous sommes en train de construire. Mais croyez-moi que ce n'est pas facile. Les comptables sont habitués à travailler sur une base de caisse et il faut changer tout cela. Mais heureusement, nous sommes très avancés dans la réforme, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal. Le prochain, c'est demain à la même heure. J'aurai le plaisir de vous retrouver. Très bonne suite de programme sur Actu 30.